Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire de ce film? Ben, pas grand-chose. À part le fait que ce sera drôle, bourrin, et que ça va surtout faire patienter l'arrivée du remake de Piranha, un vieux film des années 78, qui était de Joe Dante, si je me souviens bien, oui, c'est ça. Et qui va être repris par notre français Alexandre Aja, qui nous avait déjà fait des remakes tels que La colline a des yeux. Mais là, ça va être les piranhas en 3D qui va nous faire. Et ça va être chouette. Je pense que ça va être bien sympa et qui sortira le 25 août. Malheureusement, j'ai pas de bande-annonce encore. Mais je vais leur mettre ça en attendant, comme amuse-bouche. U.S. Ambassador Arnold Regis was assassinated this morning. Someone blew up their boat. I figured it out. It wasn't an explosion. It wasn't terrorists. It was giant piranha. Things are gonna get a lot worse. These organisms are in a very simple program. They eat, they grow, they multiply, and they will never, ever stop. You need to hit these things hard and fast with everything you got right now. Florida is being attacked by giant fish with teeth. They are consuming everything in their path. Fire! You're fish food. God help us all. The Serasomas are bigger. Ah là là, il faut pas que j'oublie de parler du forum dans le groupe de Staticiné pour que les gens mettent leurs idées. Et puis mercredi sort le film de Adèle Blansec. Il va falloir que j'y aille. La presse en plus l'a déjà vu. Et je dois dire qu'ils annoncent le renouveau de Luc Besson depuis le cinquième élément. Moi je dis à voir. Ouais. Ah mais je viens de penser là que ça fait la deuxième fois que Amandine répond juste à la question. Ouais, parce que c'était bien Into the Wild. Bon, ben, il faut que je trouve une autre question. Ah oui, j'ai une idée. Et si je leur demandais dans quel film vient la musique du générique de Staticiné? Ouais, pas mal ça. Bon allez. Maintenant que j'ai tout en tête, j'ai plus qu'à tourner l'épisode. Bienvenue à l'épisode 9 de Staticiné.